Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Instagram. Contrôle ma journée, mon assiette. Enfin, vous avez contrôlé finalement ce que je vais manger aujourd'hui. Comment je suis trop contente hier soir. J'arrêtais pas de dire à Bebs, j'ai trop hâte de me lever. Parce que vous avez été hyper gentils avec moi. Vous me connaissez par cœur. Parce que je sais que les personnes d'Instagram, c'est vous. Vous qui me regardez tout le temps sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, je vous mets mon Instagram juste là. Ce matin, je vais me régaler. On arrête de parler, on y va. Bon, ce matin, Bebs, c'est... Oh, tu te caches. Tu te caches, t'apparais même pas. Il se cache. Mais on ne te voit pas. Non, j'ai pas envie de quoi. Un pull. Qui n'est même pas le mien. C'est avec qui? Ah, il est en train de faire le café parce que ce matin c'est café au lait. Love you d'ailleurs pour ça. Brioche. Oh Nutella. Franchement, je crois que vous avez été au moins plus de 50% à me dire brioche Nutella. Genre vous êtes des fous. En plus, tu te souviens Bebs quand je te disais j'ai trop envie de brioche Nutella. Genre ça fait un moment que j'ai ça et j'en achète jamais parce qu'en fait je trouve qu'ici c'est pas ouf en vrai la brioche. On va tester celle-là. Je la connais pas, j'ai jamais goûté. Tu peux manger de la brioche toi? Non. Tu peux pas? Pourquoi? C'est pas grave, je vais quand même la manger. Ah, y'a des œufs. C'est pas grave, c'est pour la brioche. Donc ça c'est ok. Ça c'est ok ça. Putain, c'est trop chiant d'être allergique aux œufs en vrai, tu peux rien manger. Ah, ouais, t'inquiète pas, la brioche, je vais la manger. Alors, déjà, on a les brioches grillées. Sarah, si tu regardes cette vidéo, souviens-toi de l'odeur quand mamie nous fait griller nos brioches. C'est ça. Courtinade. Putain, ça fait longtemps, je peux manger une tête. Tiens. C'est vrai. Ah ouais? Mais et tu l'attrapes comment? Donc là, c'est pas assez rempli. Il manque des morts. Ok, pas de problème. Regarde, hop, hop, hop. Genre maniaque en commentaire. Tiens, moi ça va, je suis pas si maniaque que ça. Un autre café, parce qu'on a droit à un café au lait ce matin. J'adore. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Tu sais que je mangeais ça chez ma grand-mère, mais tous les jours, tous les matins, même au goûter. Le bonheur. Et après, culture générale. Tous les matins avec Bebs, on fait une petite série de... sur une application. Un petit jeu pour répondre à des questions. C'est trop bien. Alors, pour vous donner un exemple de question, quel est le plus ancien quotidien français encore publié? Le Figaro, Le Monde, La Croix. Je crois que c'est Le Figaro. Oui. On va manger. Qu'est-ce que tu m'as dit? L'amour. Ça y est, t'as pris? Vous avez beaucoup parlé de Poutine dans les suggestions Instagram, j'ai réalisé votre souhait, ma maman qui m'a mis spécialité québécoise. Poutine, je sais pas si c'est une spécialité québécoise en vrai. Énervé, maman. Regarde ce que tu vas manger. Ouais. Ça doit... Regarde, tout ça, c'est énorme. Allez, bon, tu vas de bonne humeur. Si ça te balait quelqu'un. Moi, je pourrais pas manger tout ça, c'est pas possible. Impossible. Il y a les yeux plus gros que là. Attends, faut que je vous filme. Moi, j'ai la poutine classique, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est quand même assez conséquente. Et Bebs, t'as pris quoi? Viande fumée, je crois. Je trouve que ça a le goût de viande, mais ça me dégoûte. Ça a le goût de viande, mais c'est la sauce brune. Mais du coup, c'est de la viande dans la sauce brune. Mais de base, c'est un bouillon. Mais toi, tu manges de la viande, donc tu l'as pas trouvé. Et le fromage, il fait chouinche, vraiment. Pas des mythos quand on dit que le fromage, il fait chouinche. Alors, Bebs? Bah, la tienne, je trouve pas, mais t'as raison, moi j'ai l'habitude de manger de la viande, donc je sais pas si... Bon, qu'est-ce que tu penses de cette poutine? Tu trouves vraiment que ça a un goût de viande, cette sauce? Moi je trouve pas, hein. Genre au début, la première bouchée, j'étais en mode, tu vois, comme ça. Mmh. Et vraiment, la viande, je vous jure, déjà j'ai arrêté parce que, bah, pour mes convictions, mais j'aime pas ça, quoi. Comment tu la trouves, ta poutine, toi? Moi, je sais pas, il y a un goût qui me dérange. Vraiment, c'est la... Moi ça va. Tu la trouves bonne? Je trouve que c'est pas la meilleure que j'ai mangée, moi. Regardez tout ce que j'ai. Impossible, je mange tout ça. J'arrive pas à profiter là du plat. Bon, décris ton plat. Mon plat, beaucoup de viande. Je pense pas que c'était du porc. Ah, c'est du porc? Ouais. Ok. Vu l'image, je m'attendais soit du bœuf, soit. Bref, peu importe. Les frites, correct. En plus. Pas les meilleures. Ouais. Ouais, non, en fait, le problème, c'est la viande pour le coup. Là. Ah ouais? Beaucoup. En fait, il y a beaucoup de viande. Genre, il y a limite plus de viande que de frites. Mais la viande, t'aimes pas trop? Si, mais encore une fois, je m'attendais pas à cette viande. Moi, franchement, j'aime pas cette poutine. Genre, c'est pas fondu. Enfin, on a goûté des poutines où c'était très fondu et ça se mariait bien du coup tout. Les frites, elles sont pas ouf, je trouve. Et j'ai pris une large, j'étais bête. Mais vous savez qu'au début, j'aimais pas du tout la poutine, vraiment. Genre, j'ai fait une vidéo où je teste justement la meilleure poutine de Montréal, qui n'est pas pour moi la meilleure d'ailleurs.
Franchement, les frites, elles sont pas bonnes. C'est des frites surgelées, ça. Et plus je vis ici, et plus j'aime la poutine. C'est fou, hein. Je peux pas manger cette poutine, ça me dégoûte. Tu veux faire autre chose? Des pâtes ou un truc comme ça? Non, je suis écœurée, là. Un avocat au toast? Non. Bon, bah voilà, c'est un fail. Je suis déçue. Parce que franchement, la poutine, je commence à vraiment adorer ça. Bon, voilà. C'est la fin de ce repas. J'ai pas de dessert, vous m'avez pas mis de dessert, les gars. J'abandonne la poutine pour la poutine de Mimi. Il échange. Parce que je préfère manger la poutine régulière, en sachant que la viande a un trop gros goût de viande. Mais tu sais qu'il y a rien que je fais, j'ai envie de vomir, bon, bah, ça me dégoûte. Regardez sa poutine. Bon bref, on va passer à autre. Le fromage est bizarre. Il est bizarre le fromage. J'ai une question pour les personnes qui sont genre full astrologie. Genre bah oui, il est lion, moi je suis cancer. Est-ce que ça match? L'heure du goûter. Alors, vous m'avez dit beaucoup de choses, mais bon, j'ai dû choisir, j'ai dû sélectionner bien évidemment. Et en fait, on m'avait parlé de gaufres à l'érable. Des gaufres à l'érable. On m'a parlé aussi de queue de castor. J'ai déjà goûté la queue de castor. J'adore. Très sucré. T'aimes pas la queue de castor? Ouais, mais toi, t'aimes pas les desserts, t'aimes pas le sucre. Alors que c'est la vie. Bah, viens, regarde ma vidéo YouTube. La dernière que j'ai sortie. Vas-y, dis ce que tu penses pour l'instant. Je viens de me taper une pub pour l'instant. Donne-moi l'argent, là. Caramel à l'érable. Là, c'est fou l'érable. Voilà, ça, j'ai dit. Ça fait vraiment penser aux gaufres qu'on a nous aussi en France, hein, vous savez, dans les paquets, bah, avec les gros sucres. Je crois que je vais pas aimer. Le caramel est super bon, mais la gaufre est pas bonne. Décidément, pas une journée au top. T'es sûr que tu veux goûter? La gaufre, elle est sécosse. Je pense que j'aurais dû plus la chauffer, j'aurais dû la mettre au four. Je suis difficile. Non, c'est un morceau de plastique avec du beurre de cuisson. J'aime trop les interventions. C'est un morceau de plastique, carrément. Mais le caramel, il est bon, non? On a un petit mulot dans l'appart. Il fait pas comme si c'était un chat. C'est pas un chat. Mais ils veulent le tuer? Mais c'est archi mort, en fait. Ils savent pas avec qui ils vivent, là. Moi, dans cet appart, personne ne tuera ce mulot. Personne. Les gars, c'est trop drôle. Enfin, non, j'avoue, c'est pas drôle. Babsy. Et moi, je le vois, mais vous payez pas le voir, le pauvre. Il est en paix. C'est à cause de la poutine. Plus jamais Green Spot. Il est pas bien, hein, je vous jure. Je sais pas si je pourrai manger ce soir. En vrai, je pense que je vais sortir, ça va me faire du bien. Moi, je vais aller au CrossFit, là. Trop la flemme. Mais genre, fois 1000. Et après, ça va être repas du soir. Ça va aller, babes. Tout va bien se passer. Alors, moi, j'ai une dex. Je me respecte pas. Donc, beaucoup m'ont dit bagel, bagel, bagel. Et j'ai eu plein de suggestions, dont... Chachuka, ma vie. Mais là, franchement, en sortant du CrossFit, j'avoue, en fait, j'ai priorisé les choses simples que je pouvais faire parce que vous savez que j'aime pas cuisiner. Bagel, avocat. Bon, on va préparer ça ensemble. Les bagels, on va cuisiner ensemble. Non, non. Non, mais en vrai, mais attends. Déjà, là, là, il y a du mytho en fait. Ah ouais? Bah, ben, on va tartiner. On va tartiner nos bagels tous les deux. On va tartiner. Il m'accuse de choses. Le tartiner pour toi, c'est cuisiner. J'aime trop les pains bagel, ma vie. Hier, je suis partie dans un café et j'ai pris le croissant cookie. Ah, le croissant cookie. C'est la, tu sais, c'est la révolution à Paris en ce moment de ça. Là. Alors, il est revisité celui-là. Gros croc. Alors, c'est bon. Grave bon. C'est vrai. Alors, toi qui aimes pas le sucré, je suis étonnée. Le bagel, Philadelphia. Avocat, dinde, salade, citron. Dégoûté parce que j'avais plus d'œufs. Très simple. Moi, c'est Philadelphia, avocat. Ah si, j'ai mis de la sauce piquante. Mmh. Il fait pitié un peu mon bagel. Oh, les bagels, c'est une bonne idée. Comment tu le trouves, ton bagel? Là, vu que je viens de mettre de la sauce piquante, je trouve que ça anesthésie un peu trop le goût. Ah. J'en ai mis trop. Ah mince. Je me régale. Et vu que Bebs a dit qu'on n'avait pas mangé assez de légumes, on mange des concombres. Avec sa sauce salade spéciale. Mmh. Le croissant cookie. La moitié vite. Attends, mais laisse-moi goûter, wesh. Non. Si. Mmh. J'ai mangé beaucoup de sucre aujourd'hui. Et je le sens, hein. Moi, j'adore. Et vu que Bebs, il va absolument le manger, mais que c'est rare qu'il mange les desserts, je vais lui laisser. Bon, les amis, c'est la fin de ces 24 heures. J'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop rigolé aujourd'hui avec Peparo. Même si, bon, bah, lui, apparemment, il était malade, ça, j'ai dit. Non, mais en vrai, j'avoue, la poutine a été affreuse. Bref, on se retrouve très, 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 très.
très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire vos idées de vidéos. Et n'oubliez pas, on s'abonne pour la force. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à partager des choses avec vous. J'adore nos moments. Je vous aime très fort. Gros bisous. Love you.